Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de plugin, donc c'est la toute première sur la chaîne. Donc aujourd'hui on va s'attaquer au plugin Parachute Plus. Donc je vais vous montrer tout de suite ce qu'il peut faire. Hop, hop. Donc là j'ai pas encore activé et là je l'ai activé. Et donc voilà. Par contre le parachute on le voit pas hein. C'est tout à fait normal, mais vous pourrez tester ça de vous même. Donc l'atterrissage, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas prendre de dégâts. Je l'ai déjà testé. Voilà. Donc on passe tout de suite à l'installation. Et nous voilà de retour sur notre bureau. Donc pour commencer, vous allez aller sur le lien dans la description. Donc vous allez atterrir sur le site de Curse. Donc dans la catégorie plugin, et vous aurez Parachute Plus. Donc ensuite vous allez cliquer sur Download Now, et donc ça va lancer le téléchargement. Donc par la suite vous allez aller dans le dossier de téléchargement, vous allez prendre le Parachute Plus, le .jar, et vous allez le glisser dans votre dossier plugin. Donc voilà, moi je vais mettre annulé parce que je l'ai déjà fait. Donc voilà, on m'a demandé de remplacer. Ensuite vous allez reload votre serveur. Donc voilà, slash reload, tranquille. Et donc voilà, c'est tout pour l'installation. Donc voilà, après avoir installé le plugin, donc je vais vous montrer les commandes. Donc déjà, pour avoir un parachute, vous allez taper slash parachute. Donc voilà, vous allez avoir un œuf qui sera surnommé parachute. Donc ensuite, pour l'activer, faudra être en hauteur, hein, ce qui est normal, vous n'allez pas faire du parachute. Voilà, bref. Donc vous allez prendre de l'élan et hop, vous allez faire clic droit pour activer le parachute. Et puis vous allez dans les directions que vous voulez. Franchement, c'est un plugin que je trouve très fun. Parce que sur les serveurs, j'en ai rarement vu. On n'a peut-être pas les permissions. Mais en tout cas voilà, c'est un bon petit plugin. Et donc voilà les amis. Donc les amis, sur ce je vais vous laisser. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like sur cette vidéo. Donnez-moi vos avis dans l'espace commentaire pour savoir si vous voulez que je continue cette série ou pas. D'ailleurs je vais peut-être vous montrer comment créer un serveur Bucket. Et je vais aussi peut-être faire un concours pour en gagner un serveur. Pour gagner un serveur sur le site de Verygame. Il n'y a pas de partenariat ou quoi, mais j'aimerais vous le faire gagner. Donc voilà. Bon les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.